Bonjour à tous, moi c'est Charlotte, coach intervalle Toulouse Centre. Aujourd'hui, nous allons faire une séance spéciale gainage, renforcement des muscles profonds. Pour cette séance, pas besoin de matériel. C'est parti. Allez, c'est parti, nous allons démarrer par l'échauffement. On va venir tranquillement s'échauffer. Allez, on ouvre la poitrine. On vient faire de grands cercles vers l'arrière. Et même chose vers l'avant. Ok, les hanches bien fixes. De grands mouvements bien. Ok, maintenant je vais venir chercher loin sur le côté. Je garde les deux hanches bien fixes. Et je viens chercher loin vers le sol. Un coup à gauche et un coup à droite. Allez, on vient bien sentir, ça tire sur le côté, sur les obliques. Ok, maintenant même chose, on va chercher loin sur le côté. On vient faire des rotations. Donc cette fois-ci, les deux hanches restent bien basses. On vient seulement bouger la partie haute du corps. Allez, on vient chercher loin sur le côté. Je pousse et je souffle. N'hésitez pas à décoller un talon du sol. Et on vient chercher un peu plus loin. Allez, c'est possible. Allez, là on échauffe tout le haut du corps, la sangle abdominale, le dos et les bras. Allez, encore 10 derniers. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et le dernier. Ok, allez, on va terminer de s'échauffer. Si vous avez un tapis, vous pouvez le prendre, sinon à même le sol, on va venir faire la cheville. Donc pour ça, les deux pieds viennent au sol, j'enroule les vertèbres, d'abord la tête, ensuite le dos, je relâche bien, on relâche. Si je peux, je viens poser deux mains au sol, et on vient chercher loin devant. Donc là, on commence à engager les abdominaux. Je contracte les fessiers, je contracte les abdominaux, tout mon corps est gainé. Et je reviens tout doucement en position initiale. Hop, et on déroule vertèbre par vertèbre. Allez, on fait ça encore 4 fois. Allez, on prend son temps. On vient s'échauffer tranquillement. On reste quelques secondes ici. Et on revient. Pensez à bien se tirer le nombril. Le regard entre les deux mains. Et on redonne. Allez, encore deux fois. Les deux hanches restent bien fixes face au sol. Et on repousse, on souffle. Allez, la dernière. Allez, cette fois-ci, on va chercher un tout petit peu plus loin. On reste, on reste. Et on revient. Allez, on prend bien son temps. On déroule vertèbre par vertèbre. La tête vers l'avant-dernier. Des dernières rotations avec les bras. Et on est parti, on passe aux choses sérieuses. Allez, c'est parti, cette fois-ci, on passe aux choses sérieuses. On va venir renforcer au maximum la sangle abdominale, mais aussi le dos, renforcement des muscles profonds. Donc pour ça, on va démarrer, on va se placer directement, hop,
sur le dos. Donc sur le dos, tac. Le dos, la colonne vertébrale bien plaquée au sol. Je rapproche les deux pieds, largeur bassin, les fesses. Les deux genoux dans l'alignement, pareil, ne se touche pas, les jambes écartées. Les deux mains aux tempes, et je viens, je monte. Allez, on monte doucement, sur deux temps, et on redescend. Une, deux, une, et deux. Je pousse, je souffle, et je redescends, j'inspire. Tout le long, on aspire bien le nombril. Et on contracte les abdominaux. D'abord, je décolle les épaules, puis les omoplates, et je reviens tout doucement. Allez, on garde ça. On n'oublie pas de bien souffler. Et on accélère la cadence. Allez. Vous avez mal à la nuque, placez les mains à l'arrière de la tête, mais attention, sans tirer dessus. Et attention, on va changer de tempo. Cette fois-ci, trois petits pulses en haut et on redescend doucement. On commence à engager les muscles profonds. En tenant le gainage en haut, en hauteur. Allez, 3, 2, 1, et on redescend. Le regard juste au-dessus des genoux. On inspire et on pousse, on souffle. Allez, encore 5 fois. Plus que 3. Encore 2. Le dernier. Et attention, on ne relâche pas et on reste, on bloque en haut. On bloque, on bloque, on bloque. Allez, on décolle bien les épaules, les omoplates si c'est possible. Et on reste ici. Ok, cette fois-ci, je reste là. Toujours les deux pieds au sol, les deux bras bien tendus, paume de main vers le sol, et ici que des pulses. On reste, on reste, on reste. Allez, on reste en hauteur, gainage. Les muscles sont contractés, on relâche pas. On n'oublie pas de souffler. Et on reste, on bloque en statique. Allez, on reste. On est reparti pour une série de pulses. Allez, c'est parti. On n'oublie pas de bien souffler. Aspirer le nombril au maximum. Et on reste en haut. Allez, statique. On va partir pour un dernier tour. Et le dernier, let's go. Allez, normalement, ça pique, ça brûle. Mais on lâche pas, c'est le dernier tour. Allez, encore 5 secondes. 5. 4. 3. 2. 1. Et on relâche tout doucement. Allez, on relâche. On vient détendre un petit peu. On attrape ses genoux. Hop là, si vous avez besoin de vous étirer, de boire, buvez, étirez-vous. Et allez, on est reparti. Cette fois-ci, je vais me placer, hop, les deux bras à ce niveau à 90 degrés. Si on veut, on peut mettre les mains sous les fesses. Le dos bien droit, on bombe la poitrine. Et je décolle les deux jambes.
Plus je vais être bas, plus ça va être dur. Si c'est trop compliqué, on reste quand même, mais on plie les deux jambes, 90 degrés. Sinon, on essaie de rester tendu. Allez, on reste là. N'oubliez pas aussi de bien rentrer assurer le nombril. Évitez de se faire mal au dos. Et on est parti pour 10 battements. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on reste. Allez, toujours l'option si besoin. On reste ici. Allez, encore 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on reste là. Allez, avec le poids, on descend. Mais on lâche pas. On pose pas les jambes. Encore 10 fois. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on reste. Allez, on reste, on reste. On reste bien droit. Si vous avez trop mal sur les avant-bras, n'hésitez pas à relâcher. Et on reste ici. Allez, encore, on est parti pour 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et les dernières secondes, on reste, on reste, on reste, on reste. On lâche pas. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Allez, cette fois-ci, on va changer un petit peu. On va renforcer le dos, les muscles profonds du dos, avec notamment les lombaires. Pour ça, on vient se placer face au sol. Hop là. Donc les deux jambes légèrement écartées. Les deux bras sur le côté. Première option. Toujours on regarde face au sol. Première option, je viens décoller uniquement le haut du corps. Donc je décolle d'abord la poitrine, les deux bras. Le regard ne bouge pas. Je contracte les fessiers. Je contracte les jambes, mais elles restent au sol. Et on reste ici. Ma respiration régulière. Et on relâche. Je repose complètement. Deuxième option. Je pousse. Je reste. Et on relâche sans reposer. Et on repart. On souffle et on inspire. On souffle. Et on inspire. Allez, on garde ça. Si vous avez besoin de prendre la pause, vous prenez la pause en bas. Pour vraiment le sentir au niveau des lombaires, si ça fait trop mal, prenez une petite pause. Allez, on garde ça. Tirez les coudes bien en arrière. Et on pousse, on souffle. Allez, une option un petit peu plus compliquée. Je pousse. Je tire les bras d'avant. Tire en arrière. Et on revient. Allez, en quatre temps. Je monte. Je tends en avant. Je tire en arrière. Et je redescends. Allez, ça nous fait rester un peu plus en haut. On tire les coudes en arrière. Et on redescend. Souffle. Inspire. Souffle et relâche. 1, 2, 3 et 4. Allez, on ne recherche pas la vitesse, on ne recherche pas la performance. Le but est de contrôler au maximum le mouvement. Allez, encore. Allez, toujours, on garde ça, on garde ça. N'hésitez pas quand vous êtes en bas, mais vraiment tirer, chercher le plus loin possible en hauteur. On vient chercher en longueur, en hauteur,
Et on tire bien en arrière, on resserre les omoplates. Imaginez que vous avez un crayon et un stylo entre les deux omoplates et vous venez vous resserrer en arrière. On tire et on pousse. Allez, parfait, on garde ça. Allez, encore 5 derniers. Plus que 4. Allez, les 3 derniers, on prend son temps. Et le dernier. Ok, on relâche. Allez, pour relâcher, on se met en position, plein en point. On pousse les fesses en arrière sur les talons. Et les mains loin devant. Allez, on relâche quelques secondes, on en profite. Allez, on repart sur le dos. Donc ça, ce sera terminé. Cette fois-ci, on va faire le parachute. Alors pour ça, comment ça se passe? C'est le même principe. On se place sur le ventre. Même principe, les bras, cette fois-ci, on les garde sur le côté. On ne vient pas pousser, tirer en avant. Sur le côté. Toujours le regard face au sol. Je contracte les fessiers et les abdominaux. Hop là, je pousse, je souffle, je monte. Et cette fois-ci, je vais aussi venir décoller les jambes. Donc les jambes, les pieds vers le ciel, comme si on sautait en parachute. Et on relâche, on redescend. Allez, on est parti pour 3 séries de 10. Allez. Allez, plus que 7, 6, 5, 4, 3, 2, et le dernier. On reste en haut et on relâche. Ok, on vient de tirer en arrière. On pousse au souffle. Cette fois-ci, on engage les lombaires, le buste, les omoplates, les épaules, mais aussi, et encore plus, les fessiers. On tire bien les genoux vers le ciel. On tire au maximum. Allez, on se replace et on est reparti pour 10. Allez, plus que 5, 4, 3, 2, et le dernier, on reste en haut. Reste, reste, reste. Allez, on décolle les cuisses du sol et on relâche. Allez, on pousse, on souffle. Allez, on est parti pour les 10 derniers. C'est les derniers, on lâche rien. Allez, l'option c'est trop compliqué. Seulement le haut du corps. Allez, le dernier, on reste. On reste, on reste, on reste, on reste. Et on relâche. Ouh. Allez, on souffle. Là, je pense que c'est bon. On a bien travaillé les lombaires, on a bien travaillé le gainage à ce niveau-là. On va repasser un petit peu vers l'avant. Allez. Cette fois-ci, on vient se placer sur le dos. Donc, toujours le même principe. J'aspire au maximum le nombril, le dos bien plaqué au sol.
J'aspire le ventre comme si je cherchais à faire un creux. Hop là, les deux mains sous les fesses ou sur le côté, au choix. Et cette fois-ci, on va venir travailler avec les jambes. Allez, la tête bien au sol. Je descends une jambe et on change. Allez, on vient chercher bien loin. On se grandit au maximum. Si c'est trop compliqué l'option, les jambes fléchissent. On contrôle le mouvement. On est sur une séance spéciale gainage, muscles profonds. Donc on prend son temps, on contrôle. On ne recherche pas la vitesse. Allez, petit défi, on bloque en bas, la jambe droite, et on bloque. Allez, on ne bouge pas, on reste statique. La respiration régulière, et on repart. Allez, on engage bien les abdominaux et on bloque cette fois-ci, jambe gauche, bloque. Allez, on reste et on repart. Allez, on prend son temps. Si je reste en hauteur, ça va être plus simple. Plus je vais chercher bas, plus je vais chercher le gainage. Et ce sera compliqué. Allez, on bloque à droite, bloque. Allez, encore 3 secondes. 3, 2, 1, et on change. Bloque à gauche. Ok, parfait. Cette fois-ci, hop, on monte. Les deux jambes au ciel. Donc cette fois-ci, avec les deux pieds, les deux talons, je viens chercher en hauteur. Pas vers l'arrière, pas en hauteur. Et je descends tout doucement. Allez, on est parti pour 10. 9. 4. Encore 2. Et le dernier. Allez, on bloque en bas. On bloque, on reste. Allez, encore 10. 10. 9. 8. 7. 6. Allez, on vient chercher loin en bas. Plus bas possible. 4, 3, 2, et encore on bloque en bas, bloque. Allez, le plus bas possible, sans relâcher, on lâche pas. Toujours l'option, les deux jambes pliées, les deux jambes fléchies. Allez, encore 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Allez, on soulève les fesses du sol. 4. Les trois derniers. 2. Allez, on reste en haut. On reste. On bloque en bas. Allez, encore 5 secondes. 5. 4. 3. 2. 1. Et on relâche. Ouh. Allez. Secoue un petit peu les jambes. On relâche au niveau du dos. Et le petit défi pour la fin. Allez. Je sais que vous savez ce que c'est. Allez. Petit défi, gainage. On vient se placer au choix. Première option. Sur les avant-bras. On abaisse bien les fesses. On aspire le nombril.
Les deux pieds et deux genoux restent au sol. Deuxième option. On décolle les deux genoux du sol. On reste ici, on reste là. Troisième option, si vous voulez, on monte sur les mains. Allez, on bouge pas, on reste ici. On aspire le nombril. Allez, c'est le défi gainage de la fin. Et après, ce sera terminé, on passera aux étirements. Allez, encore 15 secondes. On tient. Jusqu'au bout, on lâche rien. Allez, plus que 10. Plus que 5. Et on relâche. Allez, on a bien travaillé, on va passer aux étirements. Allez, maintenant qu'on a bien travaillé la sangle abdominale et muscles profonds au niveau du dos, on vient s'étirer. Alors pour ça, allez, on démarre sur le dos. Donc j'attrape, je ramène mes deux jambes, mes deux genoux contre la poitrine. J'attrape mes genoux et on vient faire de tout petits cercles. Allez, tout doucement, bien masser le dos. Et on change de sens. Ok, cette fois-ci, hop, je mets les deux bras en croix. Position de chaise renversée. Et je bascule d'un côté. Donc la bascule est vers moi. Si je peux, je tends la jambe de ciel. Le regard de l'autre côté. Et on tire. Les deux épaules sont bien relâchées, plaquées au sol. Et je sens l'étirement dans tout le dos, toute la chaîne postérieure. Allez, on attrape sa pointe de pied si on peut. Et même chose de l'autre côté, je ramène la tête au centre. Une jambe. Puis l'autre, et on bascule vers le fond. Ok, on revient tête au centre. Une jambe, l'autre. On revient en masse. De l'autre côté. Et cette fois-ci, on bascule. Allez, on va terminer face au sol. Celle-ci en général fait du bien. Allez, la pose de l'enfant. On pousse les fesses en arrière. Et on tire les mains. On vient chercher le plus loin possible. Le front posé au sol. Le dos bien rond. Et on relâche. Ok, cette fois-ci, on va accentuer l'étirement au niveau du dos. Je garde une main au sol et avec l'autre, je viens chercher en dessous et loin sur le côté. Donc on n'oublie pas, on vient tirer en longueur ou aussi en largeur. On tire devant et côté. Allez, même chose de l'autre côté. Je ramène une main, la tête au centre. L'autre main vers le fond. Paume de main vers le ciel. Et la tête sur le côté. Ok, on revient au centre. Cette fois-ci, je me place sur le ventre. Hop. Les deux mains, chaque côté de la poitrine. Et là, je viens tirer
pousser ma tête. Imaginez que vous avez un fil au-dessus de la tête. Et on tire, on tire. Les deux hanches restent au sol. Le regard bien droit. Et on relâche, on redescend. Allez, un peu, on remonte. Encore une fois. On relâche bien les épaules. Et on revient. Ok, allez, cette fois-ci, je bascule à l'arrière. Je crochète les deux pommes de pied. Les talons au sol. Je tends les jambes. Allez, on tire tout doucement. La tête bien relâchée. Et on vient dérouler la colonne, comme au début, vertèbre par vertèbre. Allez, on prend son temps. La tête bien en dernier. Et voilà, c'était la séance spéciale gainage, renforcement des muscles profonds, abdominaux, mais aussi lombaires au niveau du dos. Donc là, ce sont les muscles profonds. N'hésitez pas à répéter cette séance plusieurs fois dans la semaine. Tout en douceur, tranquillement, à votre rythme avec les options que je vous ai proposées. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo.